Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va étudier l'anatomie du nez et des fosses nasales dans le cadre de l'anatomie 4. Les fosses nasales sont deux cavités aériennes appartenant aux voies aériennes supérieures. C'est la première partie des voies aériennes supérieures. Ils sont creusés dans le massif facial, surtout au niveau de l'étage moyen de la face. On distingue deux parties, hein, qui sont en continuité. Donc juste pour la description, on va décrire d'abord le nez et puis les cavités nasales proprement dites. Ils ont des rapports très importants avec la base du crâne, surtout au niveau de l'étage antérieur de la base du crâne, ainsi que les orbites avec leur contenu, l'œil et les muscles oculo-orbitaires. Ils sont en rapport aussi avec la cavité buccale et le rhinopharynx. Et à partir de ces rapports, on comprend que c'est une zone quand même qui est à risque en cas de pathologie qui peut entraîner une extension au niveau de la base du crâne, au niveau de l'orbite. Concernant la chirurgie de cette zone qui est quand même à risque, il faut connaître les repères, les constituants et les éléments qui peuvent nous guider dans cette chirurgie. Les fosses nasales ont une fonction d'abord respiratoire, puisqu'ils, comme on l'a dit, sont la première partie des voies aériennes supérieures. Donc, ils participent au réchauffement, à l'humidification et à l'épuration de l'air inspiré. En même temps, ils ont une fonction olfactive, puisque au niveau des fosses nasales, il y a le neuroépithélium olfactif. Les principales pathologies des fosses nasales sont d'ordre infectieux. C'est en général les sinusites, les rhinites, inflammatoires et tumorales. Et de ce fait, ils peuvent nécessiter dans certains cas un traitement chirurgical. Donc l'anatomie nous permet d'abord de comprendre les mécanismes parfois physiopathologiques de ces pathologies et en même temps nous permet de comprendre les voies d'abord et apprendre la chirurgie de cette zone. Donc on va commencer d'abord par l'anatomie du nez, en détaillant en premier. Donc le nez ou la pyramide nasale, c'est la portion de l'appareil nasal qui fait saillie au niveau de la partie médiane du massif facial moyen. Donc elle constitue un auvent aux fosses nasales qu'elle protège. Donc on peut la comparer à une pyramide triangulaire avec une base inférieure constitué par les deux orifices narinaires, voilà, un sommet supérieur tronqué via la racine du nez et une face postérieure qui est virtuelle, constituée par un plan frontal tangent à l'extrémité antérieure des cornées inférieures. Ça, on le verra par la suite. Et puis deux faces antérolatérales symétriques. Alors, le squelette du nez est un squelette ostéocartilagineux. Il est constitué d'abord par l'os nasal au nombre de deux, chacun de chaque côté, qui s'articulent sur la ligne médiane. Ce sont des os qui sont quand même fins, ne sont pas très épais, et qui peuvent être fracturés en cas de traumatisme facial. En général, c'est les premiers os qui se fracturent dans les traumatismes de l'étage moyen de la face. L'os nasal s'articule en arrière avec le processus frontal de l'os maxillaire, anciennement appelé l'apophyse montante du maxillaire. Et les deux os, l'os nasal et le processus frontal du maxillaire, s'articulent en haut avec l'os frontal, et plus précisément avec l'épine nasale du frontal. Quatrième élément, c'est la lame perpendiculaire qui vient séparer le nez en deux parties, droite et gauche. Alors, l'ouverture antérieure du nez, c'est-à-dire l'ouverture osseuse, est constituée par ce qu'on appelle l'orifice piriforme. Il y a l'ouverture piriforme sous forme d'une poire à base inférieure large, à sommet vers le haut. Et au niveau de l'orifice piriforme, vient s'articuler les éléments cartilagineux qui vont compléter la constitution du nez. D'abord, le cartilage triangulaire, vous voyez ici, forme d'un triangle, chacun de chaque côté,
et qui se réunissent sur la ligne médiane. D'accord. Vers le bas, il y a le cartilage alaire. D'accord. Le cartilage alaire qui est une forme à peu près qui correspond à un fer à cheval avec un bras externe et un bras médial interne. D'accord, ça c'est la crusse latérale, ça c'est la crusse médiale. D'accord, on a deux cartilages alaires chacun de chaque côté et qui participent à la formation de l'orifice narinaire. Alors, le revêtement du nez est fait d'abord par la peau, tissu cellulaire sous-cutané. D'accord. Et au-dessus de ces plans, il y a le plan musculaire, des muscles possibles de la face, où on peut distinguer le muscle frontal vers le haut, au niveau de la racine du nez, le muscle pyramidal, le muscle transverse du nez, le dilatateur des narines, qui permet d'ouvrir et d'élargir les narines, et le muscle myrtiforme. Donc, ça, c'est le revêtement externe. Pour le revêtement interne, il est fait par le nez est recouvert par de la peau qui présente des poils, ce qu'on appelle des vibrisses. Et cette zone-là, on l'appelle le vestibule nasal. La cavité du nez, on ne parle pas ici de la fosse nasale proprement dite à l'intérieur, mais la cavité du nez s'appelle le vestibule nasal et qui est recouverte par de la peau. Et qui est associé à des poils, ce qu'on appelle les vibrisses. Alors, la vascularisation est assurée par des branches de l'artère faciale qui passent dans le sillon nasogénien et d'autres qui proviennent de la lèvre supérieure, par exemple l'artère de la columelle. L'innervation est assurée par la deuxième branche, des branches des branches collatérales de la deuxième branche. Du nerf trigémon, ce qu'on appelle le 5-2, nerf maxillaire. Donc là, c'est un schéma qui montre une vue inférieure du nez, où on voit très bien les narines, d'accord, avec le cartilage septal au milieu. Alors, sur le plan morphologique, il est très intéressant de retenir communiquer avec des confrères de façon homogène. Par exemple, ici, sur le plan anatomique, la partie sup, ça c'est juste un schéma du nez vu de profil, où la partie supérieure de la pyramide nasale, on l'appelle la racine du nez. D'accord? La ligne médiane s'appelle l'arête nasale, qu'on voit ici en vert. Et la partie saillante, c'est la pointe du nez. Là, c'est les orifices narinaires. On a vu sur la diapo précédente, les orifices narinaires, et la partie latérale des orifices narinaires s'appelle les ailes du nez, d'accord, qui sont mobiles lors de l'inspiration et l'expiration grâce aux muscles dilatateurs des narines. La partie inférieure, vers le bas, entre le nez et la lèvre, cette dépression médiane s'appelle le philtrum. Donc là, vous avez la racine du nez, l'arête nasale, la pointe, l'aile du nez, la narine et le philtrum. Alors, la partie médiane entre les deux orifices narinaires s'appelle la columelle. Ça, c'est la columelle où se trouve la partie médiane du cartilage alaire. Alors, maintenant, on va voir l'anatomie des fosses nasales proprement dites. Comme on a dit, les fosses nasales sont deux cavités creusées en antéro-postérieur au niveau du massif facial moyen. Ils font suite à la pyramide nasale, sont situés entre la cavité buccale ici en bas, donc ça c'est les fosses nasales, cavité buccale en bas, la base du crâne vers le haut, les orbites en dehors et le pharynx en arrière, surtout le rhinopharynx. Donc, ils sont étendus entre deux orifices. D'abord, l'orifice
piriforme. On a dit que l'orifice piriforme, c'est l'ouverture osseuse des fosses nasales. D'accord? Donc ça, c'est l'orifice piriforme sous forme d'une poire, avec une base inférieure large, une partie pointue rétrécie vers le haut. Alors les fosses nasales présentent, comment, alors on a dit, ils s'étendent de l'orifice piriforme en avant et jusqu'au niveau des coannes en arrière. Donc ça c'est la coanne, c'est une ouverture qui permet de faire communiquer la fosse nasale avec le rhinopharynx. Donc les fosses nasales présentent à décrire quatre parois. Une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi médiale et une paroi latérale, avec deux orifices antérieurs, ce qu'on a dit, l'orifice piriforme, et un orifice postérieur, c'est les coannes. Donc on va commencer par l'étude des parois. D'abord la paroi médiale, une paroi qui est très importante sur le plan anatomique et même sur le plan clinique et pathologique. C'est une paroi qui va séparer des fosses nasales en deux cavités. D'accord? Donc là, cette paroi ici, elle sépare les fosses nasales en deux cavités, cavité droite et cavité gauche. Elle est constituée par un squelette ostéocartilagineux, comme vous le voyez, ce schéma. D'accord? Donc c'est un squelette ostéocartilagineux. Et derrière, en avant, on va avoir d'abord ici le cartilage septal, c'est le numéro 3, d'accord, en bas et en avant. En haut et en arrière, on a la lame perpendiculaire de l'étmoïde, d'accord. Et en bas et en arrière, c'est le vomère. Le vomère qui sépare l'orifice, la partie postérieure des fosses nasales, en deux orifices, c'est les coannes, coanne droite, coanne gauche. Donc ce squelette ostéocartilagineux est recouvert par un revêtement muqueux, une muqueuse de type respiratoire, mais il faut retenir qu'il est rarement vraiment médian. Souvent, il est siège de certaines déviations qui sont plus ou moins importantes, et lorsque ces déviations sont assez accentuées, elles sont responsables d'une obstruction nasale, c'est-à-dire d'une obstruction au moment de la respiration. On aura une obstruction soit à droite, soit à gauche, parfois les deux, à cause des déviations très importantes de la cloison nasale. Donc, vous voyez ici que cette cloison nasale, elle s'unit en haut avec le toit des fosses nasales. En arrière, elle est en contact avec l'os sphénoïde. Là, c'est l'os sphénoïdal, avec la loge hypophysaire et ici le sinus sphénoïdal. Et vous voyez que en avant, il s'unit avec les os propres du nez ainsi qu'avec l'os frontal. Et vers le bas, la cloison nasale est unie avec le palais osseux. C'est la paroi qui sépare les fosses nasales de la cavité buccale. Et la partie antérieure de la cloison nasale, elle est palpable à travers les orifices narinaires. On peut palper ici le cartilage septal. Alors, cette cloison nasale, il faut retenir qu'il peut être le siège d'un hématome. D'accord? On peut avoir un hématome de la cloison nasale après un traumatisme du nez. Parmi les éléments qu'il faut rechercher rapidement après un traumatisme de la face, un traumatisme du nez, rechercher ce qu'il y a un hématome, c'est-à-dire une collection de sang entre la muqueuse qui recouvre la cloison nasale et le cartilage, d'accord, septal. Donc il faut rechercher cette collection, cet hématome, pour le drainer, sinon ça donne une infection du cartilage et une chute à long terme de la pointe du nez. Alors maintenant on va passer à la paroi inférieure qui est quand même un peu plus simple, constituée essentiellement par le processus palatin du maxillaire antérieur. Donc ça c'est l'os maxillaire, ça c'est l'os maxillaire avec les dents, l'arcade dentaire supérieure. Cet os maxillaire présente à ce niveau-là
un processus horizontal, ce qu'on appelle le processus palatin de l'os maxillaire, et qui va constituer les deux tiers de la paroi inférieure des fosses nasales. La partie postérieure du plancher des fosses nasales est complétée par la lame horizontale de l'os palatin. Ce qu'on voit ici en bleu, l'os palatin présente une lame verticale et une lame horizontale. Celle-là va constituer la partie, ou bien le un tiers postérieur, de la paroi inférieure des fosses nasales. Cette paroi inférieure osseuse va se continuer en arrière avec le voile du palais. À ce niveau. Cette paroi osseuse peut être le siège de malformations congénitales, ce qu'on appelle les fentes palatines, avec une fermeture incomplète et qui va donner chez le nouveau-né une communication entre les fosses nasales et la cavité buccale et qui nécessite un traitement chirurgical. Maintenant, c'est la paroi latérale. Alors, la paroi latérale des fosses nasales est une paroi qui est très importante. C'est la plus complexe et il tire son importance parce que c'est la zone d'exploration clinique. C'est la partie à laquelle on s'intéresse le plus dans l'exploration des. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette zone? Parce que c'est la zone de drainage des sinus de la face. Sinus frontal, sphénoïdal, maxillaire, ethmoïdal. Donc, ces sinus vont se drainer au niveau de cette paroi. En plus, il y a la présence des cornets. D'accord? Donc, de ce fait, c'est une zone qui est très importante à cours de l'examen clinique. Il est formé de six os. D'abord, le maxillaire, que vous voyez ici en rouge. Donc, le maxillaire, au-dessus de son processus palatin, présente une ouverture large qui va être fermée d'abord par le cornet inférieur, ici vers le bas, fermée par la masse latérale de l'ethmoïde. Donc ça, c'est la masse latérale de l'ethmoïde avec le cornet moyen et le cornet supérieur. Or, on voit ici en violet. Ça, c'est la masse latérale de l'ethmoïde qui vient fermer cette ouverture de l'os de l'os maxillaire. D'accord? Donc, on a ici l'os maxillaire en rouge, fermé en bas par le cornet inférieur et par la masse latérale de l'ethmoïde ainsi que le cornet moyen et le cornet supérieur. Il faut retenir que le cornet moyen et supérieur, ils sont d'origine ethmoïdale. Ils sont considérés comme des os ethmoïdaux. Alors que le cornet inférieur, c'est un os à part, d'accord? Il n'appartient pas à l'os ethmoïdal. La partie antérieure ici, elle est fermée par l'os lacrymal qui va recouvrir le canal lacrymo-nasal, d'accord? La partie postérieure de l'ouverture de l'os maxillaire est fermée par la lame verticale de l'os palatin. Donc, on a vu la lame horizontale de l'os palatin qui constitue la partie postérieure de la paroi inférieure des fosses nasales, alors que la lame verticale du palatin ferme en arrière l'ouverture ou bien l'échancrure de l'os maxillaire à ce niveau-là. Voilà. La partie toute postérieure est formée par la lame bien l'aile interne de la l'apophyse pterygoïde. Donc vous voyez que ces os qui forment une mosaïque à ce niveau-là vont fermer d'abord cette échancrure de l'os maxillaire, d'accord, et ne laisser ouvert qu'un orifice à ce niveau-là, ce qu'on appelle l'ostium du sinus maxillaire, d'accord. Et la muqueuse, elle va venir pour recouvrir tous ces reliefs osseux. Et à la fin, on aura cet aspect-là. Donc à la fin, ça va donner cet aspect-là. Donc après la couverture de tous ces différents os de la paroi latérale,
On les a vus tous, l'os maxillaire, l'os lacrymal, l'os ethmoïdal, le cornet inférieur, l'os palatin et la lame médiale de la pterygoïde. Tout va être recouvert par la muqueuse et ça va donner cet aspect-là avec le cornet inférieur, le cornet moyen et le cornet supérieur. D'accord? Alors ces cornets vont former des espaces en dehors, ce qu'on appelle des meias. Donc là, lorsqu'on fait un examen endoscopique ou bien une rhinoscopie antérieure, voilà ce qu'on va voir. On va voir la tête du cornet moyen, inférieur. On va voir le plancher ou bien la paroi inférieure de la fosse nasale. Et en dedans, on verra la cloison nasale. Si on rentre encore à l'intérieur et vers le haut, on va voir le cornet moyen avec le meia moyen à ce niveau-là. Ici, on pénètre toujours en arrière, on va voir ici la couenne pour passer directement en arrière au niveau du rhinopharynx. Alors, toujours au niveau de la paroi latérale, on a parlé des cornets. Alors, c'est quoi les cornets? Osseuses, au nombre de 3, et qui sont minces, arciformes, et qui forment et délimitent avec la paroi latérale un espace appelé meia. Alors, le meia, c'est un espace, c'est pas un organe, c'est pas un os, donc c'est un espace qui est situé entre le cornet moyen, ou bien le cornet inférieur, ou bien le cornet supérieur en dedans, et la paroi latérale des fosses nasales en dehors. On va voir par exemple ici sur ce schéma qui montre une coupe frontale qui passe par les fosses nasales. Ici, vous avez le haut, le bas, l'extérieur, et ça, c'est la partie médiane. Donc, ça, c'est la fosse nasale droite, une seule fosse nasale, où on voit la cloison nasale ici, d'accord? Avec la paroi inférieure de la fosse nasale, la paroi médiale, c'est le septum nasal vers la cloison nasale, ça, c'est la paroi supérieure, et ça, c'est la paroi latérale, ce qu'on est en train d'étudier avec les cornets. Donc ça, c'est le cornet inférieur. Vous voyez comment il est arciforme et mince. Et là, la paroi latérale. Et entre les deux, c'est un meia inférieur, ou bien ce qu'on appelle le meia lacrymal, puisque c'est à ce niveau-là où va s'aboucher le canal lacrymonasal qui draine les larmes à partir de l'œil jusqu'au niveau du meia inférieur à travers ce qu'on appelle le canal lacrymonasal. Après, si on remonte au-dessus du cornet moyen, on a du cornet inférieur, on a le cornet moyen. Le cornet moyen, toujours entre la paroi latérale et le cornet moyen, vous avez le meia moyen. Meia moyen, on va se drainer le sinus maxillaire. Enfin, le sinus maxillaire, c'est ça. On va se drainer ici. L'ethmoïde dans sa partie antérieure, c'est-à-dire les cellules ethmoïdales antérieures, ainsi que le sinus frontal qu'on verra par la suite. Donc là, vous avez ici le sinus frontal. Après, il y a le meia supérieur qui va drainer l'ethmoïde postérieur. Donc, la paroi latérale, en fait, elle est divisée schématiquement en 3 parties. En avant des cornets, c'est la portion antérieure préturbinale. Alors, lorsque vous entendez le mot turbinal, c'est par rapport au cornet. L'adjectif qui vient des cornets, ce qu'on appelle la région préturbinale, la région ou bien la portion moyenne turbinale, où il y a les 3 cornets qui sont disposés de bas en haut. D'abord, il y a le cornet inférieur avec son meia inférieur. Au-dessus et en arrière, le cornet moyen avec le meia moyen. Et au-dessus et en arrière, il y a le meia supérieur avec son cornet. Donc, on a dit que au niveau du meia inférieur se draine la voie lacrymale, le canal lacrymonasal. Le meia moyen, il y a le drainage du sinus frontal, du sinus maxillaire et de l'ethmoïde antérieur. Au niveau du meia supérieur, c'est le lieu de drainage de l'ethmoïde postérieur. Alors, derrière la queue des 3 cornets, on a la portion postérieure rétroturbinale
où il y a le trou sphénopalatin. Donc, trou sphénopalatin qui fait communiquer la fosse ptérygopalatine avec les fosses nasales, c'est le lieu de passage de l'artère sphénopalatine et du nerf sphénopalatin. L'artère sphénopalatine, c'est la principale branche artérielle qui va vasculariser les fosses nasales et provient de l'artère maxillaire interne. Donc là, c'est la paroi externe des fosses nasales avec le cornet inférieur, somméa, le cornet moyen, le méa moyen, le cornet supérieur, la région préturbinale, turbinale, rétro-turbinale. Tout est recouvert par une muqueuse, hein, une muqueuse qui est richement vascularisée et richement innervée sur le plan sensitif ainsi que sur le plan végétatif. Et on va voir que ça a une répercussion très importante sur la physiologie des fosses nasales. Maintenant, on va voir à la paroi supérieure qui est nasale. C'est le toit des fosses nasales formé d'avant en arrière, d'abord par l'os frontal, ici en jaune clair, d'accord. En arrière, c'est la lame criblée de l'éthmoïde. Donc là, c'est l'éthmoïde avec constitué d'une lame très fine. Et pourquoi on l'appelle criblée? Parce que il y a plusieurs orifices. Cette lame n'est pas continue, elle est perforée par plusieurs orifices qui libèrent au passage au filet du nerf olfactif. Donc, les filets du nerf olfactif pour passer de la fosse nasale vers l'endocrâne, pour se diriger vers le bulbe olfactif et traverse cette lamelle osseuse criblée par de nombreuses perforations, ce qu'on appelle la lame criblée de l'éthmoïde. Elle est fragile. Elle peut être le siège de fracture au cours de la chirurgie des fosses nasales ou en cas de traumatisme crânien. D'accord? Elle est responsable d'un écoulement du LCR qui va se faire de l'endocrâne vers les fosses nasales sous forme d'un écoulement qui peut soit sortir par l'orifice antérieur larynaire, soit passer à travers les coins vers l'oropharynx. La partie postérieure du toit des fosses nasales est constitué par le sphénoïde, le corps de l'os sphénoïdal, qui présente dans son intérieur le sinus sphénoïdal, qui se draine au niveau de cette paroi supérieure par son ostium, ce qu'on appelle l'ostium du sinus sphénoïdal, qui se draine au niveau du récessus sphéno-éthmoïdal. Donc cette paroi, elle est large dans sa partie antérieure, mais en se dirigeant en arrière, il devient étroite, surtout au niveau de sa partie moyenne. Donc cette paroi peut constituer dans certains cas une sorte de voie d'abord vers les structures endocrâniennes, par exemple, pour la pathologie de la glande hypophysaire. Donc vous avez ici la loge, la selle turcique, d'accord, où il y a la loge de l'hypophyse. Donc cette hypophyse, au lieu, si on veut l'opérer, au lieu de l'aborder en ouvrant le crâne, on peut y aller directement par voie endoscopique en général, en ouvrant le sinus sphénoïdal au niveau du toit de la fosse nasale, on tombe directement sur la selle turcique, on peut l'ouvrir facilement et travailler au niveau de la loge hypophysaire. Alors, on a dit que les fosses nasales présentent deux orifices, une ouverture antérieure, ce qu'on appelle l'ouverture piriforme. On a vu du crâne ici, vous avez l'orifice piriforme. C'est un orifice unique, d'accord? Un seul orifice, et qui a une base large, et qui est constitué par l'os nasal vers le haut, et le reste est constitué par le maxillaire avec son processus frontal. L'orifice postérieur, c'est ce qu'on appelle les coines, qui font communiquer les fosses nasales avec le rhinopharynx en arrière.
au nombre de deux, séparé par la cloison nasale, et plus exactement par le vomère. D'accord? Vous avez ici coin droite et coin gauche, séparé par la cloison nasale. Alors, ces coins, ils peuvent être le siège de malformations congénitales, c'est-à-dire qu'à la naissance, ils peuvent être fermés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre fosse nasale et rhinopharynx ici en arrière. Soit au niveau des deux coins, soit d'un seul côté, ce qu'on appelle les atrésies coinales, soit unilatérales, soit bilatérales. Lorsqu'elles sont bilatérales, elles sont responsables d'une détresse respiratoire, d'une gêne respiratoire très importante chez le nouveau-né, puisque le nouveau-né, il a une respiration au début qui est strictement nasale. Lorsque l'atrésie coinale est unilatérale, si on ne fait pas le test de façon systématique, cela peut passer inaperçu. Donc les coins, ils sont limités en haut par le corps de l'os sphénoïde, en bas par le bord postérieur du palatin, de la lame horizontale, en dedans par le vomère, et en dehors par la lame verticale du processus pterygoïde. Alors, le revêtement muqueux des fosses nasales. Donc, on a vu tout d'abord le revêtement interne du nez, il est fait par de la peau. Donc là, c'est le vestibule nasal. D'accord? Là, on retrouve uniquement de la peau avec des poils, ce qu'on appelle les vibrisses. Mais une fois on passe dans les fosses nasales en avant, les fosses nasales sont recouvertes par une muqueuse, d'accord, qui est différente selon l'étage considéré. Donc, si on prend l'étage supérieur, c'est-à-dire au-dessus du cornet moyen, c'est ce qu'on appelle la muqueuse olfactive. C'est la muqueuse qui présente un neuroépithélium olfactif sensoriel qui est responsable de l'olfaction. L'odorat. Elle est située au niveau du toit, d'accord, et cette zone-là s'appelle la fosse olfactive. Vous voyez ici les fibres du nerf olfactif qui vont se diriger vers le haut et traverser ce qu'on appelle ici la lame criblée de l'étmoïde. Et lorsqu'ils vont la traverser, ils vont se jeter directement au niveau du bulbe olfactif qui va se continuer par le tractus olfactif pour se diriger vers le centre, pour les aires corticales centrales. Alors la muqueuse ici, elle est lisse, légèrement jaune, voire parfois brunâtre. Le reste de la muqueuse vers le bas et vers l'arrière, c'est une muqueuse de type respiratoire, particulièrement adhérente à la structure ostéo cartilagineuse, il va recouvrir tout le reste, c'est-à-dire le reste du squelette nasal, que ce soit l'os maxillaire, le cornet inférieur, ici vers l'os palatin, la ptéryguïde, et c'est une muqueuse qui est riche en plexus vasculaire, surtout veineux. Alors, quels sont les rapports des fosses nasales? À partir des parois, on pourra décrire les rapports. Par exemple, ici, les fosses nasales, ils se font en haut avec la cavité orbitaire. Donc, vous avez ici la cloison nasale, cornet inférieur, cornet moyen, en noir le sinus maxillaire, l'étmoïde avec le cornet supérieur ici. D'accord? Donc, vous voyez que en dehors, les fosses nasales répondent directement aux orbites. Elles répondent aussi au sinus étmoïdal et au sinus maxillaire. Donc on comprend à partir de là que la pathologie de la paroi externe des fosses nasales peut facilement retentir sur les constituants des deux cavités orbitaires. Par exemple, ici, on va voir
On appelle des sinusites aiguës, ethmoïdales, qui peuvent donner des collections de pus purulents, ce qu'on appelle les abcès, supériostés, en intra-orbitaire, voire même entraîner une véritable cellulite orbitaire. Les rapports supérieurs, ils se font avec la base du crâne. Vous voyez ici, à travers la lame criblée, et derrière la paroi postérieure du sinus frontal, on a le contenu endocrânien avec les méninges et le lobe frontal. Derrière le sinus sphénoïdal, on a l'étage moyen de la base du crâne. Donc ici, c'est le rapport avec le contenu endocrânien et avec l'étage antérieur et moyen de la base du crâne. C'est pour ça que dans certains traumatismes, on peut avoir un écoulement du LCR qui peut se faire dans la cavité nasale par une brèche à ce niveau. Les rapports inférieurs se font tout simplement avec la cavité buccale et son contenu. Donc on a dit que les fosses nasales sont séparées de la cavité buccale par le palais osseux, constitué par l'apophyse palatine de l'os maxillaire et le processus maxillaire de l'os palatin. Les rapports postérieurs se font avec, à travers les coines, avec le rhinopharynx, ce qu'on appelle le cavum, le rhinopharynx, et avec la trompe d'Eustache. D'accord? Vous avez ici, sur la paroi latérale du rhinopharynx, la trompe d'Eustache, ou à l'orifice tubaire de la trompe d'Eustache, qui fait partie de l'oreille moyenne. Alors, qu'en est-il de la vascularisation des fosses nasales? Il faut savoir d'abord qu'elle est très riche et elle est assurée par plusieurs sources. Donc, on dit que la vascularisation des fosses nasales est assurée par externe et le système carotidien interne. Donc le système carotidien externe, c'est surtout grâce à l'artère sphénopalatine. Donc vous connaissez l'artère maxillaire interne, on l'a vu lorsqu'on a étudié l'anatomie de la loge parotidienne, on a dit que l'artère carotide externe se termine au niveau de la région parotidienne en deux branches, l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire interne. L'artère maxillaire interne qui va gagner la fosse ptérygo-maxillaire pour passer au niveau de la fosse ptérygo-palatine et pénétrer au niveau de la fosse nasale à travers le trou sphénopalatin, ce que vous voyez ici. Donc on a dit ça, c'est la paroi latérale des fosses nasales avec sa portion préturbinale, la portion turbinale et la portion rétroturbinale qui présente le trou sphénopalatin par où passe l'artère sphénopalatine qui va vasculariser la majeure partie, à peu près 80%, des fosses nasales. Donc elle donnera des branches pour la paroi latérale, pour la cloison nasale, c'est l'artère naso-palatine. Le reste des fosses nasales est vascularisé par le système carotidien interne. D'accord? Là, c'est les branches, c'est les artères ethmoïdales antérieures et postérieures. Donc les artères ethmoïdales antérieures et postérieures proviennent des cavités orbitaires. Ils vont traverser l'ethmoïde et descendre le long de la cloison nasale, à ce niveau-là, et le long de la paroi latérale pour donner des branches qui vont vasculariser surtout la partie antérieure des fosses nasales. Alors, chose importante concernant la vascularisation des fosses nasales, et plus précisément au niveau de la cloison nasale, ça c'est la cloison nasale, le septum, il y a une anastomose qui se fait entre le système carotidien interne, c'est-à-dire les branches des artères ethmoïdales, et le système carotidien externe. Cette anastomose se fait au niveau du cartilage septal, de la muqueuse du cartilage septal, c'est-à-dire à la partie antéro-inférieure de la cloison nasale, c'est ce qu'on appelle la tache vasculaire de Kieselbach. Donc, cette tache vasculaire,
va être le siège d'une fragilité vasculaire, d'accord? Il va être responsable par la majorité des saignements, ce qu'on appelle les épistaxis, des saignements qui vont se faire au niveau des fosses nasales. Donc, son examen est facile, il suffit d'ouvrir un petit peu, d'écarter les narines, et on arrive à voir une tache vasculaire dont le traitement et l'hémostase est très très facile à ce niveau-là. Donc les veines, ils vont rejoindre les veines faciales, maxillaires, internes et ophtalmiques, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner les artères correspondantes. Les voies de drainage lymphatique se dirigent vers les nœuds parotidiens et jugulo-carotidiens. Alors, qu'en est-il de l'innervation nasale? Il est de trois types. Alors, d'abord, on a vu l'innervation sensorielle, surtout olfactive. On a dit que l'étage supérieur des fosses nasales, elle est olfactive. C'est à ce niveau-là où on a les filets du nerf olfactif, d'accord, qui ont des récepteurs olfactifs et qui vont transmettre l'influx vers le bulbe olfactif et à partir de là vers les voies centrales. Il y a une deuxième innervation qui est sensitive par les branches du trijumeau, d'accord, grâce à ces branches ophtalmiques, le 5-1, et surtout maxillaires. Il y a une troisième innervation, ce qu'on appelle l'innervation végétative, qui est du ressort du système trigéminosympathique. Cette innervation est responsable de la vasodilatation ou bien de la vasoconstriction des vaisseaux, surtout les artères qui vascularisent les fosses nasales. Et on a dit que c'est une vascularisation artérielle et veineuse qui est très très riche. La muqueuse nasale joue un rôle très important dans l'humidification, dans le réchauffement de l'air inspiré. Et de ce fait-là, il a besoin d'une vascularisation très importante qui soit dynamique. Sa dynamique, elle est en rapport et elle est due à cette innervation végétative. Donc là, c'est un autre schéma qui montre à peu près les branches artérielles qui vont vasculariser la cloison nasale. Donc on a ici l'artère nasopalatine, branche de la sphénopalatine, et ici on a les artères ethmoïdales antérieures et postérieures qui traversent la lame, qui blaient, d'accord, et qui vont donner des branches. Et on voit ici l'anastomose qui se fait au niveau en entéron inférieur de la cloison nasale. C'est la zone de la tache vasculaire, zone de fragilité vasculaire responsable de saignement. Alors là, c'est juste une photo qui montre lorsqu'on examine en rhinoscopie antérieure, c'est-à-dire lorsqu'on essaie d'examiner la partie antérieure des fosses nasales. Donc voilà ce qu'on voit. Alors ce qu'on va voir, c'est ça. Donc on voit, par exemple, ça c'est une fosse nasale droite. Donc ça c'est la cloison nasale. Ça c'est la paroi inférieure, c'est le plancher des fosses nasales. Et là c'est la paroi latérale. D'accord? On voit ici le cornet inférieur. Donc remarquez, la muqueuse, comment on la voit, elle est adhérente aux structures sous-jacentes. Elle est très vascularisée. D'accord? Et c'est une vascularisation qui est dynamique. C'est-à-dire que lorsqu'on a par exemple une inflammation, une infection, une sinusite, on peut avoir facilement une congestion de cette muqueuse qui va devenir épaisse et entraîner une gêne inspiratoire, c'est-à-dire une obstruction nasale. Là, c'est un schéma qui montre les coines, c'est-à-dire le squelette osseux des coines. Donc là, c'est un schéma qui montre les coines avec la cloison nasale, le vomère, ici. Et là, vous avez l'apophyse ptéréguide avec sa lame médiale, sa lame latérale, hein, qui délimite latéralement les coins. En bas, vous avez l'os palatin, c'est le palais osseux,
l'os palatin, la lame horizontale de l'os palatin. Et là, vous avez la face inférieure du corps de l'os sphénoïque. Alors, ça, c'est une photo des fosses nasales et des sinus. C'est ce que vous allez utiliser dans votre pratique quotidienne. Donc là, c'est un scanner d'une coupe frontale, dans le plan frontal des fosses nasales. Donc on va décrire à partir de la partie médiane vers la partie latérale. Donc ça, c'est la droite. Ça, c'est la partie droite, c'est la partie gauche. Ça, c'est le haut. Et ça, c'est le bas. D'accord? Donc ici, vous avez la cloison nasale médiane. D'accord? Latéralement, vous avez la fosse nasale gauche ici, avec le cornet inférieur. Vous voyez comment il est turgescent, hein, très vascularisé. Dans certains cas, on peut avoir des hypertrophies très importantes des cornets inférieurs, d'accord? Des hypertrophies obstructives qui peuvent donner une obstruction nasale, ce qu'on appelle les hypertrophies turbinales. Donc là, on a le cornet inférieur, le cornet moyen, le cornet supérieur, on ne le voit pas sur cette coupe-là. Même chose ici à droite, le cornet inférieur, le cornet moyen, d'accord? Ça, c'est l'ethmoïde, de nombreuses cellules réunies, ça c'est l'ethmoïde, et ça, c'est le toit de la fosse nasale. Donc là, ici, c'est la lame criblée. Alors, là, c'est la profuse cristalline, la lame criblée. Alors, et toujours la cloison nasale qui sépare la fosse nasale en deux parties, droite et gauche. Ici, vous avez les sinus maxillaires, droit et gauche en noir, ils sont remplis d'air. Et latéralement ici, vous avez les deux orbites. Orbite droite, orbite gauche. Donc, ce genre de scanner, il est fréquemment demandé, d'où l'intérêt de bien connaître l'anatomie des fosses nasales pour pouvoir décrire et interpréter les données qu'on peut avoir. Donc il faut reconnaître le cornet inférieur, moyen, cloison nasale, l'ethmoïde, la lame criblée, l'étage antérieur de la base du crâne, les deux orbites, le sinus maxillaire et l'os maxillaire ici vers le bas. Alors, en conclusion, les fosses nasales, c'est des cavités qui font partie des voies aériennes supérieures. Leur anatomie est un peu complexe, mais elle est importante à connaître, hein, pour pouvoir comprendre l'examen clinique des fosses nasales et des sinus, pouvoir comprendre la pathologie et la physiopathologie de la pathologie rhénologique, et bien sûr comprendre les voies d'abord de la chirurgie des sinus et des fosses nasales. Et merci.